L'Islande est un petit pays, 370 000 habitants, soit à peu près l'équivalent d'une ville comme Nice. En plus, c'est une île, ce qui limite toujours les déplacements. La conséquence, c'est que les Islandais sont tous plus ou moins parents. Lui, c'est Antonio Fischetti, un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès. Et ses chroniques dans AR, magazine voyageur. Quand on flirte en Islande, on risque fort de se retrouver au lit avec un cousin ou une cousine. Pour un coup d'un soir, passe encore. Mais s'il s'agit d'une relation plus sérieuse, pour fonder une famille par exemple, cela peut devenir dangereux, car la consanguinité augmente le risque de tares génétiques chez les enfants. Alors, les Islandais ont inventé quelque chose d'unique au monde, une base de données regroupant quasiment toute la population. Épisode 9. L'Islande ou le défi du sexe sans inceste. Le but est de connaître le lien de parenté avec la personne avec qui on commence une relation sentimentale. Mais comment ça marche? Je demande à Tordis, jeune Islandaise qui utilise depuis son adolescence cette stratégie d'évitement de l'inceste involontaire. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Castbox ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Tordis, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous décrire, donc, alors s'il y a une personne, vous voulez savoir, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes donc en Islande, tous plus ou moins cousins, donc vous voulez savoir si vous êtes cousin avec telle ou telle personne, comment vous faites? Alors, c'est facile, on peut juste ouvrir le site web qui s'appelle le livre des Islandais, Islendingabók. Et là, on écrit le nom complet et aussi un numéro personnel. Par exemple, on dit Kennetal, alors comme un numéro social avec le jour qu'on est né, le jour de naissance. Et là, on écrit juste le nom et cette information et on voit si on est le troisième cousin ou huitième ou quoi. Alors, c'est quoi ce livre des Islandais? C'est un livre qui recense tous les Islandais depuis le premier qui a colonisé cette île, c'est ça? Exactement, ouais. Mais c'est énorme, alors, il y a des ouais. Millions. Ouais, c'est énorme. Et c'est très utile parce qu'avant, c'était des personnes de l'Église qui ont collecté informations à propos de tous les Islandais. Alors, ils ont fait de livres pour savoir, ils ont visité les fermes, ils ont écrit tout le nom, toutes les informations, ils ont écrit des livres à propos de chaque famille en Islande. Et là, ils ont passé toutes ces informations depuis des siècles, depuis des générations. Et en 2003, ils ont commencé à collecter toutes ces dates, toutes ces évidences. Et ils ont créé cette site web où on peut voir tout le database en fait des Islandais. Et donc, si vous voulez aller plus loin, par exemple, puisque là, c'est ce qui nous intéresse ici, dans le cas d'un flirt ou d'une rencontre amoureuse, et que vous découvrez que vous êtes cousin, qu'est-ce que vous faites? Ça dépend. Si on est quatrième ou cinquième, ça va. Mais si c'est troisième ou moins, on va arrêter, je pense. Je pense que la plus grande partie pour ça, ce serait un problème si on est troisième cousin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quatrième ou cinquième ou troisième? Alors, si on a, par exemple, ma sœur et moi, on est première. Et après, on a un cousin qui est fils de le frère de ta mère. On est deuxième. Et après, troisième, on a le même grand-grand-parent. Donc ça, alors ça va toujours très loin. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et la majorité des Islandais sont huitième cousins. Et là, on n'est pas trop connectés. Hein. Ça va. Mais si c'est simplement pour, disons, un petit flirt, une relation d'un soir, c'est pas très gênant. C'est gênant si on veut se marier, avoir des enfants. Exactement. Alors, moi, je dirais pour le troisième rencard, on regarderait. Alors, est-ce que vous connaissez des gens à qui c'est arrivé, par exemple, d'être amoureux, de vouloir avoir une relation suivie, mais ils n'ont pas pu à cause d'un lien de parenté trop étroit? Oui, je connais. Ils ont, je pense, ils étaient ensemble 3 mois. Et après, il y avait une réunion familière et ils ont vu sur l'événement Facebook, je pense qu'ils ont vu le nom d'un autre. Et alors, ils ont parlé ensemble, ils ont demandé à sa mère, est-ce que tu connais cette fille-là? Et elle a dit, oui, c'est notre cousin, en fait. Et là, il faudrait arrêter.
Et c'était triste parce qu'ils étaient déjà très amoureux ensemble. Effectivement, c'est assez gênant. Mais alors, il y a combien de personnes dans cette base de données? Est-ce qu'il y a tous les Islandais? Oui, je pense, si on veut pas être là, je pense que c'est possible, mais ça m'est jamais passé que j'ai pas trouvé quelqu'un que j'ai cherché. Alors, je pense que tous les Islandais sont là-dedans. Et même tous les Islandais de tout le temps. Alors, moi, je peux regarder le premier Islandais, Ingólfur Arnarson, qui était arrivé en 1800, quelque chose. Alors, ça va très, très, très loin. Et on peut voir comment on est connecté avec tous les Islandais qui ont été là. Et vous alors, donc, vous avez un ami, un copain, Ouais. donc ça se passe, enfin, disons, ça va, vous avez vérifié que vous n'êtes pas cousin trop proche? Oui. J'ai vérifié en fait sur le site web parce que mon grand-père vient de la même région de son grand-père. Alors j'ai pensé, hop, j'espère pas. Mais on est huitième. Alors ça va. Et c'est très bien parce que maintenant je suis enceinte. Alors on a la chance d'avoir regardé là. Cette base de données est donc très pratique pour permettre le sexe sans inceste aux Islandais. En revanche, elle ne concerne pas les simples voyageurs qui, eux, ont peu de chances d'être proches cousins ou cousines d'un habitant de cette île. En tant que touriste, on a au moins un avantage sur les autochtones. On ne va pas se faire jeter pour cause de liens familiaux. En revanche, là-bas, comme partout, on peut se prendre un râteau à l'ancienne. Et pour ça, il n'y a pas besoin de recensement génétique. Cela dit, il y en a qui ne seraient peut-être pas contre l'idée d'avoir une relation sexuelle avec un cousin ou une cousine. Mais ça, c'est une autre histoire. Si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès, et ses chroniques dans le magazine voyageur AR. AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire et une bonne note et retrouve-nous aussi sur Spotify. Dans le prochain épisode, la Grèce, c'est pas si gai.